remember. Going through the letters that I send her. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre cher Piémont. Salut. Comment vas-tu? Bien. D'accord, tant mieux alors, voilà. Avec ce beau soleil. Eh ben ouais, on peut caler bien avec un temps comme ça. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur vos textes bizarres, numéro 4. Nous avons 10 textes présélectionnés et nous allons commencer par la première. Ah oui, haha, c'est vrai, c'est pas la peine de me dire que je suis pas là pour le moment, mais je vais te faire un énorme bisou. Oh, c'est mignon. Alors, tu nous dis que t'es pas là pour le moment. Que t'es pas là pour le moment. Et que tu vas nous faire un énorme bisou. Donc c'est pas la peine de te rappeler que t'es pas là, mais tu feras un bisou plus tard quand tu reviendras. C'est ça, ouais. Je suis pas là, mais quand je reviens, tu auras ton gros bisou. Voilà, c'est gentil. Pas mal, non. On passe au tilde. Non, j'ai dit non. Et je ne suis donc plus à votre entière disposition de mes fesses, sachant que je ne suis pas dans une entreprise qui me fait vraiment chier. Du coup, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité d'avoir une très grande classe des élèves. Tout bizarre ce texte. Alors, nanana, je l'ai dit nan. Bon, on a compris qu'il disait nanana, pas besoin de t'énerver. Tu n'es plus... C'est qui ça me fait penser là? Non. Ça me fait penser à Blanche-Neige et les sept nains, là, le Granchon, Grognon, je sais pas comment ça s'appelle, le petit nain. Il y a Grochon, non. Si. Non. Je sais plus. Alors, tu n'es plus à votre entière disposition de mes fesses. Ah d'accord. En gros, c'est comme si on voulait te montrer tes fesses, mais tu n'es plus à sa disposition pour montrer tes fesses. Ok, ça marche. Je ne suis pas dans une entreprise. Tu n'es plus dans une entreprise, ok. Bah, l'entreprise te fait vraiment crotte. Voilà. Du coup, tu vas pas avoir la possibilité d'avoir une grande classe pour les events. Les events, c'est les événements. Voilà. De toute façon, au toi. Le site web de votre disposition pour moi aussi, pour la semaine dernière minute, à toutes mes salutations. Il faut que vous avez vraiment besoin d'une manière directe avec le banc. Alors, tu as fait un site web pour la semaine dernière, de la dernière minute. En faisant toutes tes salutations et que tu as vraiment besoin d'une manière directe avec le temps. What? Toi aussi t'as répondu. Là j'ai pas réussi à détecter ce que tu as voulu dire. En gros t'as besoin d'une manière pour pouvoir voir le temps passé ou le temps qui passera ou je sais pas. Que dirais-tu toi? Je dirais que en gros là la personne galère à faire son site web qu'elle devait faire pour la semaine et qu'il a fait à la dernière minute, du coup bah il a plus le temps et du coup il manque des choses pour finaliser, je sais pas. C'est ce que je comprends. Ouais, ça va être un truc du genre quoi. Alors nous passons au quatrième. Adam, par contre, la commande en ce qui que les autres membres et que le lien est de ce qui est de votre message à un petit déjeuner la semaine de votre réponse rapide de votre disposition. Si vous remerciez sur le site internet de votre réponse a été prise pour les informations sur le nom et ce que nous c'est bien. Ok. Alors Adam, par contre la commande, ok, c'était en mode Adam, par contre la commande c'est pour demain, hein. En ce qui des autres membres, ouais, ben pour les autres membres quoi, tu as fait une commande pour les autres membres, que le lien de ce qui est votre message, en gros, ben c'était un petit déjeuner que tu as fait de la réponse quoi, qui a été rapide, et de savoir vos dispositions pour vous remercier du site internet qui a été créé. Tiens! Il y a deux amis là, site. Vous avez communiqué entre vous, ça se passe comment? Vous avez créé un site à vous deux? Adam et monsieur site web. Et que tu as pris les informations sur le nom et que tu ne sais bien. On passe au petit 5.
Bah, je sais pas si tu veux que je fasse quoi, mais je vais pas bien loin de chez toi. Je suis pas fatiguée, je suis pas fatiguée, je suis pas fatiguée. Je me suis endormie. Bah, je sais pas si tu veux, on peut s'appeler. I think I have a lot of experience in the world of science, science fiction. And I think I have a lot of experience in the world. Super anglais par Madame Pimente. Moi, ça aurait été une catastrophe si je le disais. Alors, C'est sur du franglais. Là. C'est ça, du francophone. Oula, j'ai du bilingue. Du bilingue. Tu ne sais pas ce que tu veux que tu fasses, mais que tu n'es pas loin de chez toi, et que tu n'es pas fatigué, pas fatigué, pas fatigué, mais que tu t'es quand même endormi, et que tu sais pas si tu veux qu'on t'appelle, et après ça veut dire... Je pense que j'ai un peu d'expérience dans le monde de la science et de la science-fiction, et je pense que j'ai un peu d'expérience dans le monde. Voilà. Et bah si t'as de l'expérience dans la science et science-fiction et dans le monde, bah tant mieux. Et je peux constater que t'es plus fatiguée parce que tu te répètes. C'est ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors, ne prends pas le volant. Voilà. Oui, si t'es fatiguée, ne prends pas le volant, sinon... Poum, accident. Alors, on passe au petit 6. J'aime bien que tu voulais rester normale, pas trop comme d'autres filles tout de même, et c'était pas bien de... Tu me dis si on se voit, ça serait drôle de sensation. Une question genre, t'es contre le mur et on s'appelle ce soir? Ok. Alors, tu t'aimes bien rester normal, pas comme les autres filles. Pourquoi les autres filles sont différentes? Elles sont superficielles. Et c'est pas bien, tu me dis... Mais c'est pas bien d'être superficielle, tu me dis. Ça. Ah oui, tu me dis si on se voit, du coup ce serait drôle, drôle de sensation. Ça serait drôle de sensation. Oui, drôle de sensation d'être contre le mur. Ah. Et ben, après on s'appelle ce soir. Pour faire être sur le mur ou contre le mur ou... Pour avoir un rendez-vous. Ou peut-être pour un autre rendez-vous, mais pas sur le mur cette fois-ci j'espère. Alors, on passe au 7. Je suis pas chez toi, tu peux essayer de te déranger et le temps que le tram et toi à avoir bientôt une soirée jeu vu que les vacances approchent, mais non t'inquiète. Ok, tu n'es pas chez toi, d'accord. Tu peux essayer de te déranger le temps que le tram arrive et qu'il y a bientôt une soirée jeu pendant les vacances sûrement, ou que les vacances arrivent et qu'il y a la soirée jeu qui suit bientôt quoi. Donc ne t'inquiète pas. Mais non, n'inquiète pas. Alors, on passe au 8. Les fois que j'ai un peu pas, que ça te va pas, moi aussi je vais y être de ma tête et je suis pas la photo des bras de ma mère. Et toi tu vas sur les feux, ouais. 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 Alors, les fois que j'ai un peu que ça te va pas, en gros tu vas mal et tu vas être dans ta tête. Tu vas mal mais tu vas être dans ta tête. Tu n'es pas dans la photo de les bras de ta mère. En gros, ta mère elle a pris une photo de quelqu'un mais tu n'étais pas dedans quoi. C'est pour ça que tu vas mal. C'est pour ça que tu vas mal et tu es en train de réfléchir dans ta tête en mode pourquoi m'a pas pris dans mes bras, enfin dans ses bras en photo. T'es triste mais tu sais quoi, on n'a qu'une maman. Et ce sera toujours ta maman à toi. Exactement. Même si des fois elle peut être casse-pied, mais profitant, peut t'aider, etc. Et tu vas sur les feux, ouais. Les feux, mais pas ceux qui brûlent, bien sûr. Ça serait pas le moment de mourir. Les feux verts, la patte de l'espoir. 9. Eh oui, c'est du 9. Alors. Ouf. Oui. Désolée, je voulais la faire, Stéphane. Ah oui, en effet, je suis pas là pour le moment, je suis sur le PC et je vais encore remarquer plus que jamais de la chance, Iggy, et je suis à la maison. Alors, oui, en effet, tu es pas là pour le moment, d'accord. Tu es sur le PC. En gros, si t'es pas là, bah, t'es sur le PC. Et tu vas encore remarquer que plus que jamais que la chance est là. Tu en rigoles même que la chance est là. T'es en train de faire un pari sur internet, là. Aïe, aïe, aïe. Ça. Et tu es à la maison. Bah oui, si t'es pas là, t'es à la maison, quoi. T'es pas dehors, t'es à la maison, c'est logique. Si t'es à la maison, t'es sur le PC, tu fais un jeu de chance pour essayer de gagner. En gros, t'es pas là parce que t'avais la flemme de venir. C'est ça. T'as un gros flemme. C'est ça, t'as mis oh non, je suis pas là aujourd'hui, on se revoit plus tard. Voilà. Nous passons au dernier qui est le 10. Ouais.
Je vous remercie pour votre retour et vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon week-end à vous deux. Et à bientôt, j'espère, pour la prochaine fois que je vous ai vu avec mes amis de France et de vos aventures de voyage en compagnie des enfants qui ont été très nombreux. Et heureux de vous revoir bientôt, j'espère vous voir bientôt. D'accord. La seule chose que j'ai retenue, c'est très nombreux et ravi de vous voir. Alors, tu nous remercies de votre retour. D'accord. Tu vous souhaites une bonne soirée, un bon week-end. À vous deux, à bientôt. Et j'espère que la prochaine fois, que tu les revois avec tes amis de France, parce que tu étais peut-être en Bretagne et que tu veux les revoir tes amis de France, parce que voilà. Vous ferez des aventures et des voyages apparemment. Et que vous ferez tous ensemble de grosses aventures de voyage avec les en enfants. Compagnie des enfants, des enfants qui sont nombreux, qui sont très nombreux, ça veut dire peut-être une dizaine, une colonie quoi. Et heureux. Bien voilà, sûr. Ils seraient juste d'avance de partir en voyage. C'est ça, en mode oui, on va partir pour vacances. Et du coup, on vous revoit bientôt et à bientôt. Qu'as-tu pensé de ces textes? Il y a beaucoup de gens qui restent sur le PC, donc faites oui, attention à vos yeux. Le PC sinon, à jouer ou à faire de l'échange, à faire des sites web. Il y en a un, et c'est plus pour un anglais à un moment, on n'a pas compris le délire. Mode c'est bonjour, hello. Il y en a un qui était vénère, donc merci de te calmer, prends de la camomille. C'est bien la camomille. D'accord. Prends pas de la drogue surtout. Non, on évite. Et du coup, on vous souhaite une belle vie. Hein, voilà. Surtout plein vos voyages. Plein de beaux voyages. N'oubliez pas les enfants. C'est ça. Toujours important. Les oubliez surtout pas. Les laissez pas dans le coffre. Hein. Et du coup, on vous dit à la prochaine. Et je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas d'en renvoyer des textes bizarres pour qu'on puisse continuer. Bisous. Bye bye.